Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 de Spider-Man 2, le retour de la revanche d'Electro. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer et d'effectuer la partie suivante avec Spider-Man, que nous avons effectué la poursuite de l'hélico de l'autre super méchant qui transportait un matériel rare dans la mallette, et que maintenant nous avons su affronter les autres hommes de main, qu'il s'agit bien sûr des hommes de main d'Hammerhead, et que nous avons poursuivi jusqu'à ce que l'autre homme de main avait, qui était bien sûr l'homme sable, qui donnait une mallette du même catégorie que Shocker avait, mais dans une autre doublure de valise. Et que nous avons su poursuivre le train, et que nous avons été pris par surprise par l'homme sable, mais que nous avons continué jusqu'à atteindre la partie suivante pour découvrir que c'était le scarabée et qu'il avait pris la fuite avec la mallette. Mais en laissant derrière lui un indice pour Spider-Man, le bal où se trouve le Dr. Watts, qu'elle présente l'exposé de son invention, et que les hommes d'Hammerhead prennent d'assaut la fête. Et nous l'avons vaincu les hommes de main, ainsi que libéré les otages, et aussi affronté Hammerhead en personne. Et que j'ai oublié quelques astuces, et aussi que j'aurais pu retirer son arme de sa main, et que j'en suis désolé. Mais j'avais un peu régressé au fil du temps, et que j'aurais dû réfléchir deux fois à ça. On continue d'avancer, c'est parti! Nous y sommes, fans de l'araignée. Le labo de recherche, un fleuron de la technologie moderne, un vivier de penseurs. Mais derrière cette belle façade se cache une entreprise qui mène des recherches diaboliques en vue de la préparation des armes biotechnologiques du futur. Des recherches illégales et secrètes conduites par d'obscurs exécutants surveillés par des robots de contrôle. Désolé que si le dialogue bug, je vais vous dire à votre place. Attends. Ah ! Boum ! Il y a d'autres fuites. Non, ça marche pas. Ah si, ça marche. J'ai rien dit. C'est bon. Pff, il va dans le décor. C'est bon. Passons au suivant. Boum. Ouh, ça, ce sont des turbines électriques. Je peux sûrement accéder au complexe par le système de ventilation. Je dois arrêter les turbines si je ne veux pas être transformé en spider purée. Ça doit être la salle de contrôle. Il faut couper les lasers pour entrer. Hop ! C'est bon. Le panneau de contrôle, ici. Comment ça marche, ça, encore ? Ah oui. Il faut que ces trois bidules soient dans le cercle central pour désactiver les lasers. Non, ça marche pas. Boum.
C'est bon. On passe. Je parie que cette pièce contrôle les turbines qui sont dehors. Voilà, c'est fait. Maintenant, voyons où mènent ces conduits. Voilà, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Engagez-vous, qui disait. Un peu la même manière que les Romains dans Astérix et Obélix. Allez, je veux monter, moi. Bon. Il doit y avoir des infos sur l'endroit où se trouve le docteur Connors. Voyons. Bingo! Il est dans le labo des projets spéciaux, tour centrale. Il faut que j'aille dans cette direction. L'interrupteur doit être dans la salle de surveillance. On avance. Tiens, tiens. Des toiles électriques. Encore une barrière laser? Ils sont parano ou quoi? Ouais, que je reste prudent. Électrifié! Voilà pour cette porte. Je pense que c'est bon. On passe au niveau suivant. Cet endroit est gigantesque. Toute cette électricité statique, il doit s'agir du conduit d'alimentation principal de Biotech. Il ne faut pas se mettre sur le mur parce que c'est très dangereux. Encore moins de tomber. Hop. Ok. Hop là. Ah, ça doit faire mal. Non. Ah, quand même. Il y avait des plateformes en plus. Attends. Ventilo à droite. Attends. Ça en a neutralisé un. Il doit y avoir un interrupteur par porte. Il y a une porte en bas. Allons-y. Ok. Eh bien, on dirait que ça fonctionne. Voyons ici. Les générateurs de drones. Il faut que je les neutralise avant qu'ils ne me neutralisent. Ok. Attends, j'ai vu quelque chose. C'est bien ce que je pensais. Voilà, ça fera l'affaire. Thank you.
Je t'ai eu. Et voilà pour le deuxième champ de force. Passons au prochain. Ok. Des tourelles laser. Ils ne mégotent pas sur la sécurité. Si je la jaufine, je peux faire en sorte que les lasers se détruisent mutuellement. Ça devrait faire sauter le champ de force et me donner accès à l'interrupteur. Évidemment. Boum! Voilà. C'est bon. Le champ de force est désactivé. C'est bon. Et de 3. Voilà un autre. Pourquoi les choses sont-elles de plus en plus compliquées? Ce terminal va peut-être me mettre sur la voie. On va essayer. Qu'avons-nous là? Ça doit être les capteurs thermiques des drones. Si je peux élever la température ambiante au niveau de celle de mon corps, je serai invisible pour les capteurs. Super, celui-là a 3 interrupteurs et un champ de force aussi. Si je coordonne bien mes lance-toiles, je devrais pouvoir tirer à travers mon corps. Aïe aïe aïe, il faut pas que je me fasse avoir. Allez. Hutch. Il faut que j'anticipe. Attends. C'est bon. Allez. C'est parfait. En avant et touche. Montons plus haut. C'est parti. Désolé pour le retard. J'en ai pour un instant car mon casque est presque débranché. J'arrive tout de suite. Voilà, on reprend ici. On y va. C'est le seul chemin pour monter. C'est ce que Spider-Man voulait dire. Décidément.
Ah ! Ça doit faire mal. Prendre le centre, ici. Attends. Ah, ah, attends, à gauche. Là. Wow ! Ça, ça doit faire mal. Non ! Je suis vaincu. Je recommence. Pardon, ça a bugué. Il y a deux interrupteurs. Attends. J'avais raison, mais cela a activé d'autres défenses. Yep. Encore quatre. Encore quatre. Et un électrifié. Faudra que je monte. Ça doit faire mal. Hop. Ok. Ici. Attends, pourvu que ça vise bien. Allez. Bon. Plus que deux. Plus que deux. Ouh, c'était moins une.
Ok. Les deux suivants et derniers. Voilà. Et celle-là. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à passer cette porte. Oh, génial! Encore des drones, comme si ça ne suffisait pas d'être ici. Double élimination. Aou! Ouh, c'était moi une. Ha! Ok. Je vais pouvoir entrer et passer de l'autre côté. Oh oh, c'était peut-être pas le lézard, Hulk? Ou alors une horde de supporters du PSG? Allez Doc, montre-toi! J'espère que ça va bien au moins. Oulala, le lézard est déchaîné. Il faut essayer de rendre l'apparence humaine au Dr. Connors. Le plus vite possible sera le mieux. Je ne dois pas frapper le lézard. Pas s'il y a une chance de ramener le Dr. Connors. C'est fou. Ils doivent contenir l'antidote sur lequel ils travaillaient. En les combinant, je peux utiliser mes lanceurs de toile pour l'injecter au lézard et ramener le Doc. Il faudrait que je fasse vite avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Le voilà. Oh, ça doit faire mal. Aou. Je récupère l'antidote. Wow. Non, j'ai raté. Oui, ça doit faire mal. Faut que je passe à la partie suivante. Tiens! Non! Allez! Wow! Faut que je récupère vite une autre avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai! Lézard éliminé! Ou vaincu, si je peux dire. Le Dr. Connors est peut-être en vie. Que s'est-il passé? Electro était ici. Il voulait des informations sur le projet BioNexus. Il a récupéré un prototype complet, mais il n'arrive pas à le faire marcher. BioNexus? Qu'est-ce que c'est? Cet appareil permet d'amplifier l'énergie bioélectrique des êtres vivants. Avec, Electro deviendrait un demi-dieu. Il faut l'arrêter, Spider-Man. Mais comment l'arrêter, Doc? Que lui manque-t-il? Je ne sais pas exactement. Le Dr. Watts n'a jamais montré ses notes sur la phase finale du projet à qui que ce soit. Allez à son labo. C'est de l'autre côté du complexe. Merci, Doc. Oula! Ne bougez pas, Spider-Man. Nous n'hésiterons pas à utiliser la force. C'est notre seul avertissement. Désolé, les enfants, mais j'ai pas le temps de jouer avec vous. Une autre fois, peut-être. Il faut retrouver le Dr. Watts et en même temps libérer la libérer. Et on part pour un autre chapitre. Je suis à 25 minutes, j'ai le temps de faire un chapitre entier.
Ces lasers rouges doivent indiquer ma position au drone. Si je ne les désactive pas, je n'arriverai jamais au labo du Dr. Watts. On va s'occuper de ça tout de suite. Allez, go! Et un de moins. Faisons vite. Ouais, je me demande si Captain America supporterait ça. Encore quatre. Encore quatre. Ouf. C'était moins une. Et de 3, j'en ai fait la moitié. Et de 3. Plus que 2. Et de 2. Plus que 2, pardon. Ouh, c'était moins une. Aouh! Je crois que c'est le dernier. Hey, on se calme! Faisons vite avant que... on passe à l'étape suivante. Ah! C'est le dernier. Là-bas. Non. Je suis vaincu. Je recommence. C'est reparti. Je vais ellipser ça. C'est reparti, go! Et je tombe dans le vide. Désolé, j'ai sorti trop vite. Voilà, on reprend ici, go! Désolé les gars, mais j'ai un rencard autre part. Bingo! Au suivant. Encore 4. Hey, vous êtes au courant que je suis le gentil dans l'histoire? Et de 3, j'en ai fait la moitié. Allez, on y est presque. Plus que 2. Au suivant. J'ai eu chaud. Waouh, zut. Il y a des jours où je ferais mieux de rester couché. C'est pas moi le problème, je vous jure. Mmh.
Attends. On dirait que ça a marché. C'est bon. C'est là-bas. Passons à la scène suivante. Quel chantier ici. Espérons que les ordinateurs n'ont pas trop souffert. Bingo, je suis entré. Des saphirs. Ah, je comprends mieux. Mais où peut-on trouver une pierre de cette taille? L'homme sable. On va devoir se confronter à lui, l'homme sable. Le seul moyen de le battre, c'est d'utiliser de l'eau. Ouais, c'est ma veine, un chantier. Hé, minute. L'homme sable craint l'eau, et on dirait bien une pompe hydraulique. Si je peux faire monter la pression, on va s'amuser à construire des châteaux de sable avec notre ami. Loupé! Et voilà, passons aux valves. Ça marche! Quand l'homme sable est mouillé, il est vulnérable! Faudra que je mette les gants de toile. Rempli de nouveau. Loupé! Plus de pression! Pas encore. Allez! Plus de pression! Non! Ah! Ok. Décidément. Ah, ça fait mal. Mouillé! Je t'ai eu, l'homme sable. Vaincu. Bonne nuit, les petits. On dirait que la sécurité a atteint le labo. De toute façon, j'ai ce qu'il me faut. Non, c'est une blague. Génial, manquait plus que ça. Il y a des chances pour qu'Electro ne sache pas lire, mais ses petits copains, c'est pas sûr. Pourvu que je n'arrive pas trop tard au musée. Que faire pour le docteur? Bon, pour l'instant, Electro a besoin d'elle pour faire fonctionner l'appareil. Elle n'est donc pas en danger. Espérons qu'il soit aussi bête qu'il en a l'air. Faut prévenir le boss. Faut prévenir le boss. Une pierre de la taille d'un point. Pourquoi concevoir un appareil qui fonctionne avec un truc qui n'existe pas et qu'on ne peut pas fabriquer? Vous me cachez quelque chose, docteur, c'est sûr. Et je veux savoir ce que c'est. Boss, regardez. Parfait. On visite le musée cette nuit. Et cette fois, cette vermine ne pourra plus rien contre moi. Maintenant que Electron est au courant qu'il faut la pierre de Saphir, je ne vais pas faire la suite, mais ça sera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette partie vidéo de ce jeu vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous quand vous voulez et laissez un commentaire positif. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties vidéo. Que la passion jeux vidéo rétro gaming continue. À suivre dans la prochaine partie.